Somebody shout hallelujah! Yeah, hallelujah! Is that the best you can do for this mighty Jehovah? Est-ce le meilleur que vous puissiez faire pour le roi? Somebody who is expecting the biggest, the best, and the first blessing. Let your hallelujah be the best. La plus grande bénédiction. Prie. Let's jam our hands together for the Lord and be comfortably seated. You are created for jubilation and celebration. Vous êtes créé pour le jubilé et pour la joie. And either the devil likes it or not, they will still congratulate you this month. Et que le diable veuille ou pas, ce mois-ci, on va vous féliciter. If anybody looks at you and say, "Man, people never envy you," he's not praying for you; he's cursing you. Et si les gens vous regardent, les gens disent que personne ne m'envie, ce n'est pas une bonne chose pour vous. If people say they will never envy you, he's saying it as a prayer. Don't say amen to it. Okay, si des gens vous disent qu'on ne va jamais vous envier, ils le disent comme une prière. They should envy you. Les gens doivent vous envier, non? Because the perfume a successful man wears is envy. Parce que le parfum que un homme réussi à utiliser, c'est l'envie. The perfume, the cologne that a successful man wears is envy. Le parfum qu'un homme a réussi utilise, c'est l'envie. So until they envy you, you are not blessed. Alors si on ne vous envie pas, vous n'êtes pas encore béni. They will not just envy you, but they will call you a proud man. Non seulement on va vous envier, mais on va vous appeler quelqu'un d'orgueilleux. One of the testimonies they gave this morning, I remember that day I came up here and I said they will cancel your debt. I remember there was a day I said it about 2 weeks ago. Je me rappelle ce jour, je suis arrivé ici, j'ai dit vos dettes seront annulées. He even said it that he didn't even just believe self. He didn't believe. Et celui qui a donné le témoignage ce matin dit que lui-même ne croyait pas à cela. Et pourtant Dieu l'a fait. Give your neighbor a high five and say Hakuna Matata. And if he's asking you what is the meaning, tell him don't worry, be happy. Make some noise to the Lord. Father, we thank you one more time this morning. Merci une fois encore ce matin, Père. You have brought us to your banqueting hall. Tu nous as amené dans ta salle de banquet. And your banner over us is love. Et ta protection est sur nous. Take us from smallness to greatness. Amène-nous d'où nous sommes vers la grandeur. In Jesus' precious name. Dans le précieux nom de Jésus. Give me a better amen. We have come to divine enlargement service. Nous sommes venus à un culte d'élargissement divin. And each time we are talking of enlargement, we are talking of supernatural engracement. Et à chaque fois que nous parlons d'élargissement, nous parlons du don de grâce surnaturel. You can't talk of divine enlargement without talking of divine engracement. On ne peut pas parler de l'élargissement divin sans parler du don de grâce surnaturel. Yeah. Say it loud and clear, supernatural engracement. Le don de grâce surnaturel. We'll be looking at 3 scriptural verses. Nous allons voir Hebrews chapter 4 verse 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. He said, "Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find help and grace in help in the times of need." Approchons-nous au trône de grâce, au trône de Dieu, afin que nous puissions obtenir la grâce pour les jours difficiles. Psalm 84 verse 7. Psaume 84, verset 7. It said, "They go from strength to strength, every one of them that appeared in Zion." Tous ceux qui apparaissent à Zion vont de force en force. And 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthiens 15, 10. The A part of it. La première partie. Apostle Paul declared. L'apôtre Paul déclare. He said, "I am what I am by the grace of God." Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. So the grace of God is the maker of man. C'est la grâce de Dieu qui bâtit l'homme. I once heard the story of little rat and a big elephant. J'ai eu cette histoire de petit rat et de l'éléphant. They were on a journey. Ils étaient en voyage. And they got to a very big and mighty bridge. Et ils sont arrivés à un pont, un grand pont. And the rat jumped upon the back of the elephant. Et le rat s'est sauté sur le dos du éléphant. And it stayed very close to where the ear of the elephant is. Et il est allé vers les oreilles de l'éléphant. And the elephant carried it and they moved across the bridge. Et l'éléphant l'a porté à traverser le pont. When they got to the other side of the bridge, quand ils sont allés à l'autre côté du pont, the rat jumped down.
Le rat a sauté. And said to the elephant. Il a dit à l'éléphant. We shook the bridge. Nous avons remué le pont. We shook the bridge. On a secoué le pont. And he began to flex his muscles. Il a commencé par relâcher ses muscles. He said, "We are very strong and very big." Dit à l'éléphant qui est grand. We are very mighty. Il dit, nous sommes très puissants. We shook that bridge. Nous avons secoué le pont. Very shortly, every bridge and every mountain of your life shall be shaken. Très bientôt, toute montagne et tout pont de votre vie sera secoué. Why did I tell you this story? Pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette What histoire? What is it in a rat that can shake a bridge? Qu'y a-t-il dans un rat pour pouvoir secouer un pont? But because the rat partnered with the elephant, he was able to shake the bridge. Mais parce qu'il était ensemble avec l'éléphant, ils ont été capables de secouer so le pont. So when we are talking of engracement, we are talking of partnership with divinity. Et lorsque nous parlons de grâce, nous parlons de partenariat avec la divinité. And may I say this to you? Je voudrais vous dire ceci. There is no great man anywhere. Il y a aucun grand homme nulle part. If you see a man of God, people are clapping for. He's only an engraced man. Si vous voyez un homme de Dieu pour qui les gens acclament, c'est parce que il a reçu la grâce. I was somewhere one day and somebody came back and said to me, I took the sand from your leg, some funny things began to happen, miracle happened. Another one came and said, I took a particular handkerchief from your cloth and miracle happened. Spirit of death disappeared at the instance of your mantle. You are a great man of God. I said, I didn't know anything that happened. It is God that decided to use those materials, not me, not about me. J'étais quelque part un jour et puis après un homme est venu dire, bon, quand tu es passé, j'ai pris le sable, je suis allé, des choses étranges ont commencé par se produire. Un autre est venu, il dit que j'ai utilisé un manteau sur ton corps et puis après ça arrivait les malades et toi tu es très fort. J'ai dit non, moi je ne sais même There pas que quelque chose no se passe, c'est Dieu qui a décidé man de faire ça. Anywhere, every man you see that people are clapping for is only an engraced man. Il y a de grands hommes nulle part, toute personne pour qui les gens sont en train d'acclamer Because reçoit it is seulement the la grâce. Grace of God that makes great. Parce que c'est la grâce de Dieu qui rend grand. It is the grace of God that makes great. C'est la grâce de Dieu qui rend grand. It is the grace of God that removes disgrace. C'est la grâce de Dieu qui ôte le déshonneur. The easiest way for a man to suffer disgrace is to forget the grace of God. La façon la plus facile pour quelqu'un d'expérimenter le déshonneur, c'est d'oublier la grâce de Dieu. I've always wondered why Job suffered the way he did. Je me suis toujours étonné du fait que Job ait souffert autant. You know Job in the Bible? Job in the Bible? Vous connaissez Job, n'est-ce pas? Until one day I saw one statement Job made from his mouth. Jusqu'à ce qu'un jour je découvre une déclaration que Job lui-même a faite. Job said, was talking to some people. He Job said their fathers are lesser than his dogs. Et Job parlait à certaines personnes, il leur disait que leurs pères sont moindres par rapport à son chien. He said, "These ones whose fathers are lesser than my dogs." Il dit ces gens-là dont les parents sont moindres par rapport à mon chien. And God said, "You call them dogs." Et Dieu dit, tu les appelles des chiens. You will experience what dog experience. Tu vas expérimenter ce que les chiens expérimentent. And he was on the floor, eating and scratching his body like dog. Et il était au dépotoir, il était à terre, se grattant le corps comme et mangeant à terre comme les chiens. At another time, Nebuchadnezzar looked at himself. He said, "I'm too much. I'm a warlord. I'm a strategist." À un moment donné, Nebuchadnezzar s'est vu il est fort dans le monde. And today I'm the strongest among them all. Et je suis le plus fort parmi tous dans le monde. And he looked at himself. Il s'est regardé. He said, "I'm too much." Il dit, je suis trop. God said, "You are too much." Je dis, tu es trop grand. God took him from the best of humanity to the least of bestiality. Dieu l'a pris du meilleur dont peut jouir un humain au pire dont peut jouir un animal. On the spot, he began to eat grass, whole president of the strongest nation. Et de là, Dieu l'a pris, il a commencé par manger de l'herbe à terre. The grace of God is the maker of man. C'est la grâce de Dieu qui établit un homme. You are what you are by the grace of God. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Some of you look at yourself in the mirror and say, "I'm too much. I'm too pretty." Certains se regardent dans le miroir et disent, "Ben, je suis trop grand là. Je suis trop belle." How pretty can you be if one of your eyes is gone? Comment est-ce que tu peux être aussi belle si un de tes yeux s'en va? Or you sleep, you wake up, one part of your mouth is twisted and saliva is dripping. Ou bien tu te couches, tu te réveilles et puis ta bouche est déformée. Une partie va en haut, une partie vient en bas. This is the best position we can all be, the way you are now. You are looking radiant.
If you see the other side, you will discover that you are nothing but ordinary dust. C'est la meilleure position que vous puissiez avoir actuellement. Si vous devez être de l'autre côté, vous allez vous découvrir que ah, ce n'est pas du tout ça. Somebody say with me, I am what I am. Que quelqu'un dise, je suis ce que je suis. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. Say it again, I am what I am. Répétez-le, je suis ce que je suis. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. You are what you are by the grace of God. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. If you can think well, reflect on where you came from. Si vous pouvez, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil sur d'où vous venez. Remember your days of little beginning. Rappelez-vous les jours de votre petit commencement. When you were squatting. Quand tu étais en train de transpirer. When you were hawking on the street. Quand tu allais dans les When rues. You couldn't even think of a great future. Quand tu ne savais même pas And ce que devait aller être. God took you. He took you from the miry clay. Mais Dieu t'a pris de cette position. He took you from the dust from the street. Il vous a pris de la rue, il vous a pris de la poussière. And today everybody is clapping for you. Aujourd'hui les gens vous acclament. But if you can think well, you know where you began the journey. Mais from. Si vous réfléchissez vraiment, vous saurez d'où vous venez. He said the same thing to Saul. Il a dit la même chose He à Saul. He said when you were small in your own eyes. Dit quand tu étais très petit à tes propres yeux. We made you a president, you ran away and you sat among heaps of rubbish. You said you cannot do it. You were so small in your own eyes that you felt you were so incapacitated. And because of that, I was so happy with you. I enlarged you, I enthroned you, I catapulted you. But now your head is bigger than your neck. Que en ce moment où tu étais petit à tes yeux, tu pensais que tu étais incapable, tu ne pouvais rien faire. Et je t'aimais, je t'ai pris de là, je t'ai élargi. Mais maintenant, ta tête, tes oreilles dépassent ta tête. And the Lord said to him, "You are no longer qualified to be called a king." Et le Seigneur lui a dit, tu n'es plus qualifié pour être roi. Another man should take his place. Un autre doit prendre ta place. That shall never be your story. Ce ne sera jamais votre histoire. Help me tell your neighbor, remain humble, remain humble. Dis à ton voisin, demeure toujours humble. Sois toujours humble. Put your hands together for Jesus. Acclamez Jésus. You have heard it. There are no great men anywhere, but in great men. Vous avez écouté qu'il n'y a aucun grand homme nulle part, mais c'est par la grâce. It is the grace of God that makes great. C'est la grâce de Dieu qui rend grand. It is the grace of God that removes disgrace. C'est la grâce de Dieu qui ôte le déshonneur. When a man despises the grace of God, he begins to see shame. Quand un homme commence par mépriser la grâce de Dieu, il va expérimenter so la honte. So it is the impartation of engracement that brings about supernatural enlargement. Donc c'est le transfert de la grâce qui apporte l'élargissement surnaturel. But let's begin to define what grace is. What is grace? Mais essayons d'abord de définir ce que c'est Number que la grâce. Number one, grace is divine help. Somebody say divine help. La grâce c'est le secours divin. Say with me, divine help. Dites secours divin. Hebrews chapter 4 verse 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. He has told us to come boldly to the throne of grace to obtain help in the times of need. Il nous a fait venir au trône de sa grâce pour obtenir la grâce en temps de besoin. So one of the things we do in prayer is to go to God for help. Une des choses que nous faisons dans la prière, c'est d'aller devant Dieu pour avoir du so secours. So a man that does not pray can never be engraced. Un homme qui ne prie pas ne peut jamais être revêtu de grâce. And let me tell you another thing. Je vais vous dire quelque chose d'autre. A man that does not pray is a proud man. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il est orgueilleux. He's simply saying, I'm able, I'm sufficient of myself. Il se dit que je suis capable, je peux le faire moi-même. Not to pray makes you a proud man. Si vous ne priez pas, vous êtes donc orgueilleux. You are simply saying, God, I don't need you. Vous dites seulement, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. I can handle everything by myself. Je peux tout gérer moi-même. Let me say this to you. Je voudrais vous dire I've told you before that life is a warfare, it's not a funfair. Je vous ai dit que la vie c'est un combat, ce n'est pas de l'amusement. And nobody graduates from life war college. Et personne ne peut être diplômé du combat de la vie. But overconfidence in the conflict of life is stupidity. Mais avoir trop de confiance en soi dans le conflit de la vie, n'est-ce pas, c'est la stupidité. Overconfidence in your ability in life warfare is stupidity. Avoir trop de confiance dans votre capacité dans le combat de la vie, c'est de la stupidité. Because the forces that are contending with you, they are bigger than you. Parce que les forces qui sont dans l'univers sont plus grands que toi. Occultic forces, ancestral demons are there. Les forces occultes et ces Familiar démons méchants. Spirits are there. Il y a les esprits familiaux. So you cannot depend on your certificate. Tu ne peux pas compter sur tes diplômes. You can't depend on your own strategies. Tu ne peux pas dépendre de tes stratégies personnelles. So, confidence in your certificate, confidence in your skills, confidence in your godfathers, those whom you know, your connections,
we flaw you, because the Bible says, "Woe unto him that put his trust in the arm of flesh." Et la confiance en vos diplômes, la confiance en vos propres capacités, la confiance en vos parents, cela va vous écraser parce que Dieu dit malheur à celui qui a confiance au fils de l'homme. Now because of overconfidence in yourself. Certains sont détruits aujourd'hui à cause de trop de confiance en eux. You say, "Hold me." Dis-moi. And what is whole about you? Qu'est-ce qui est assez te concernant? You look at your certificate and say, "I'm too much." Tu regardes ton diplôme. There are people who have PhD who are still in the labor market for over 10 years. They've not gotten a job. Il y a des gens qui ont leur doctorat et cherchent sont toujours sur le marché de l'emploi. It's not in certificate. Alors ce n'est pas dans le diplôme. Stop priding in what you have. Cessez de vous enorgueillir de ce que vous avez. Stop priding in your certificate. Cessez de mettre votre orgueil dans votre certificat. Some of you, you are so proud of your background. Des gens sont trop fiers de leur That is why your back is still on the ground. C'est pourquoi votre dos est toujours au sol. You are so proud of your godfathers. That is why God has refused to father you, because you have godfathers. Et vous avez trop confiance et vous êtes orgueilleux à cause de vos parents, parce que c'est pourquoi Dieu refuse d'être votre père. And the day your godfather is removed from office, you too, you are finished. Et le jour où ce père s'en va, c'est fini de vous. But Jehovah can never be removed from office. Mais on ne peut pas ôter Jéhovah de son bureau. Some of you are not married now because you are too pompous, too proud of your looks. Any brother that comes around, you size him from head to toe and say, "Ah, you don't, can't you see a hole in me as pretty as I am? You ugly like monkey coming to me. A child of God, you are calling him monkey." Et il y a des dames qui ne sont pas mariées jusqu'à ce jour parce qu'elles sont trop orgueilleuses. Elles prennent trop de confiance en leur beauté. Quand un frère vient à eux, dit, "Est-ce que tu m'as bien regardé? Moi comme ça, là, toi un singe, tu viens me By the time you are 45, I will see how pretty you are. À 45 ans, je verrai combien tu es jolie. But that will not be your story. Ça ne sera pas votre histoire. But humble yourself. Mais soyez humble. Some of you, you want to have gotten job, but you said, "This job, who will do this job?" Il y a certains parmi vous, vous n'avez pas de travail parce que quand vous avez offert quelque chose, overqualified for this kind of job. Moi, je suis trop diplômé pour ce travail-là. Start somewhere. Commencez d'abord quelque part. Because when you begin that job, somebody else may see you there and take you to a bigger and a better one. Parce que quand vous commencez là-bas, quelqu'un va vous voir et va vous amener à un travail plus excellent. Don't look for the one that they will put AC and you'll be rolling the seat. You don't need that kind of a thing. Start somewhere. Ne cherchez pas un travail où vous aurez, n'est-ce pas, une salle chambre, salle climatisée et vous allez tourner dans le bureau comme ça. Commencez quelque part. Some of you, you are too pompous. You are too proud. Certains sont trop orgueilleux. Ils sont trop fiers d'eux. You prefer to cross your leg and be saying, "God will do it, God will do it." Ils veulent croiser les pieds pour dire, "Ah, Dieu le fera." And you are eating free food in your father's house. Et parce que vous mangez gratuitement dans la maison de votre père. At the age of 18, your mother is still feeding you. Et votre maman continue par vous nourrir à 18 ans. If you are eating free food, they will give you free insult. Si vous mangez de la nourriture gratuitement, vous aurez aussi des insultes gratuites. Because you want free food. Parce que tu veux de la nourriture gratuite. Somebody say, "Hey." Dites, j'entends. Put your hands together for Jesus. Acclamez Jésus. Grace is to secure the help of God. La grâce, c'est pour sécuriser le secours de Dieu. And you can secure the help of God on the altar of prayer. Et vous pouvez sécuriser le secours de Dieu sur l'autel But de la prière. But most times we don't easily look for the help of God until we are stranded. Mais la plupart du temps, on ne recherche pas le secours divin jusqu'à ce que nous soyons coincés. The first place we go to and we go for is the help of men. Et ce que nous cherchons d'abord, c'est le secours des hommes. We go for the help of men because help of men seems to be the one that is easily and readily available. Nous allons chercher le secours des hommes parce que c'est ce qui semble être disponible et plus facile à obtenir. But I discovered that the help of men is the most frustrating of all the helps. Mais j'ai découvert que le secours des hommes c'est le plus frustrant Because de tous les secours. Because human beings are naturally selfish, so they will never give you anything for free. That is human being for you. Ça c'est lui les hommes pour vous. They can't give you anything free. Ils ne donnent jamais rien gratuitement. No human being will give you anything free. Aucun humain ne vous donnera rien de façon gratuite. And from personal experience, I've discovered. Et de mes expériences personnelles, j'ai découvert. No matter how much you dance around a man asking for help. And you are somersaulting and you are just like a butterfly running around the nectar. If the man will not help you, he will just be telling you it is well. Come tomorrow until you are frustrated. Et quelle que soit la façon dont vous allez louer un homme pour avoir son secours, s'il ne veut pas vous aider, c'est comme les papillons qui volent autour du nectar. Il vous dit revenez après demain jusqu'à ce que vous soyez frustré. But when God wants to help you, mais si Dieu veut vous aider, either the man likes you or not, he can't sleep until he blesses you. Que l'homme le veuille ou pas, il ne peut
pas dormir tant qu'il ne vous a pas béni. I knew a man, a very proud retired military man, very proud. Je connais un homme, c'est un militaire très orgueilleux, retraité. To even greet you, he will see you as a little boy. Même pour vous saluer, vous regarde comme un petit garçon. Because he's not remembering oil, he's looking at my age. Parce que c'est son âge qui l'importe. So I greet him, I go my way. Alors moi je le salue, je passe. Until one morning, where it was open heaven service, very early in the morning, the first day of the month. Jusqu'à le premier jour, nous allions pour la trompette. He prostrated in my office. Il était prosterné devant mon bureau. I said, please stand up, stand up. Il me dit, lève-toi. He said, I can't stand up. Il dit, je ne peux pas me lever. I told all the people in my office, get out from here. Alors j'ai dit à tous ceux qui étaient au bureau, what is it now? Please stand up. Qu'est-ce qu'il y a? He said, I'm sorry, I've offended you. Il dit, mais j'étais offensé. I said, which way have you offended me? En quoi tu m'as offensé? He said, there are so many things I ought to have given to you and I ought to have served you from my heart, but I'm always angry with you. Il dit, au lieu de te servir du cœur, j'ai toujours été mécontent contre toi. He said, but last night, three men woke me up and they flogged me in the dream. Mais que la nuit dernière, trois hommes l'ont réveillé and et l'ont fouetté. Beat me thoroughly. When God wants to bless you, even your enemy that hates you, he won't have choice. He will say, I hate you, but take, leave me alone. Si Dieu veut vous bénir, même vos ennemis là, ils n'ont pas de choix. Ils disent, je te hais, mais prends, c'est pour toi. Those who are holding your blessing, heaven shall hold their neck from this moment. Ceux qui retiennent vos bénédictions, le ciel va les retenir whether par le cou. Whether they are holding your promotion or your financial breakthrough, from this moment, they will no longer find peace until they bless you. Ceux qui retiennent votre promotion ou votre percée financière, ils n'auront pas de paix jusqu'à ce qu'ils puissent vous bénir. I repeat again. Je le répète. Anyone holding your blessing from this moment, they will no longer sleep until they have released it to you. Toute personne qui retient votre bénédiction n'aura pas de sommeil jusqu'à ce qu'elle vous l'ait relâché. What is it about this grace we are talking about? Qu'y a-t-il dans cette grâce dont nous parlons? We said it's the help of God, but we have diabolical help too. Nous avons dit que c'est le secours de Dieu, mais on a aussi le secours diabolique. Diabolical help seems to be the cheapest, the easiest. Le secours du diable semble être it le moins cher, le plus facile. It seems to be the fastest. Et semble être le plus rapide. But it's the most dangerous. Mais c'est le plus dangereux. When you prepare food and you give it to your chicken, is it because you love the chicken? Quand vous préparez la nourriture que vous donnez à votre poulet, est-ce que c'est parce que vous l'aimez? Answer me. The fowl you bought in Easter, some of them in your house now, you prepare, you give them every morning. As a matter of fact, once they see you, they're happy because they know food has come. Are you feeding them because you love them? Et les volailles que vous avez à la maison, que vous nourrissez chaque matin, qui vous voient, qui se réjouissent, est-ce que c'est parce que vous les aimez? Them for Christmas. Vous êtes seulement en train de les engraisser pour Noël. A trap, you put dry fish inside. Is it because you love the rat? Est-ce que lorsque vous donnez du poisson à un rat, vous l'aimez? Okay, you are so generous. You are a good Samaritan. I wanted to share the meat. Vous êtes généreux, vous faites le bon Samaritain, donc vous voulez partager votre repas. You put the dried fish there because not to wound the rat, but to kill it. Vous mettez le poisson là-bas, ce n'est pas pour blesser le rat, mais pour le tuer. The devil has come to kill, to steal, to destroy. So there is nothing the devil gives to you is a bait. You know bait? A trap to kill you. Et le diable est venu pour voler, tuer, détruire. Il n'y a rien qu'il vous donne gratuitement. C'est un piège, n'est-ce pas, pour vous tuer. There is nothing the devil gives to you that he will not collect back in sevenfold. Il y a rien que le diable vous donne et qu'il ne reprenne cette fois. You don't consider his option at all. Donc vous ne le considérez pas de façon facultative. You must get to a point in your life where you say, whatever God cannot give me, I don't need. Vous devez arriver à un niveau où vous devez vous dire, tout ce que Dieu ne peut pas me donner, je n'en ai pas besoin. Whatever God cannot give you, don't take it. You must get to that point in your life where you say, God, you are my final bus stop. Whatever you cannot do, I don't want. Tout ce que Dieu ne peut pas vous donner, ne le prenez pas. Vous devez arriver à un point où vous dites que Dieu, tu es mon arrêt final. Si tu ne peux pas le faire, je n'en ai pas besoin. But the last help is the help from above. Mais le dernier secours est le secours qui vient and d'en the haut. The help from above is above all. Et le secours qui vient d'en haut est au-dessus de tout. God is the only one that giveth gift without adding sorrow to c'est it. C'est Dieu seul qui fait un don sans y ajouter de la he peine. He gives you a blessing. He gives you health to enjoy the blessing.
blessing and he makes the blessing to outlive you. Et il vous bénit et il vous accorde le secours pour jouir de cette bénédiction. I see such blessings coming your way in Jesus' name. Je vois de telles bénédictions venir à vous au nom de Jésus. What is it about grace? Que pouvons-nous dire de la grâce? Grace is divine empowerment. La grâce est un revêtement divin. Acts chapter 10 verse 38. Acte 10 28. The Bible talking about Jesus Christ, how he was anointed with Holy Ghost and power, who went about doing good. La Bible parlait de Jésus, comment est-ce qu'il était loin allait de lui. So you can never see good until you are empowered by grace. Si vous n'êtes pas revêtu de cette grâce là, vous ne pouvez pas voir de bonnes choses. No good can be found in your life until you are engraced. Vous aurez plus de bonnes choses dans votre vie quand vous serez revêtu de plus de grâce. The power of God that you collect via grace that turns the bad and the ugly in your life to good. Et c'est ce que vous récoltez par la grâce de Dieu qui change les mauvaises choses de votre vie en de bonnes choses. Those that think you don't have a chance, they are the same ones that will celebrate you as champion. Ceux-là qui disent que vous n'avez aucune chance seront les mêmes personnes qui vont célébrer. I said those that did not give you chance, they will celebrate you as champion. Ceux-là qui ne vous donneront pas cette chance, vont what vous is célébrer. Grace? Qu'est-ce que c'est que la grace grâce? Grace is looking up unto God for help. La grâce c'est fixer les yeux Psalm sur Dieu pour le secours. Psalm 121 verse 1 and 2. The psalmist said, I will look unto the east from whence cometh my help. It comes from the Lord. Le psalmiste dit que je vais élever mes yeux vers le ciel. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur. Those that look up can never remain down. Ceux qui lèvent leurs yeux ne peuvent jamais être à terre. When you look up, power comes down. Quand vous levez les yeux vers le ciel, la puissance descend. What you look at determines what you look like. Ce que vous regardez, ce que vous fixez détermine ce que vous serez. So the more you look at God on the altar of prayer, the more you become like God. Quand vous avez les yeux sur Jésus et sur Dieu, sur l'autel de la prière, vous lui ressemblez donc. And see what you stand by determines what stands against you. Et ce à côté de quoi vous tenez va déterminer ce qui va what se lever contre stands vous. With you determines who will stand against you. Celui qui est avec vous déterminera celui qui sera contre vous. And when Jehovah is for you, who can be against you? Et si l'Éternel est avec vous, qui sera contre vous? When a man knows the highest authority, protocol is broken for him. Quand un homme connaît l'autorité supérieure, il n'a plus à faire à traverser les protocoles. How many of you agree with me? Combien sont d'accord when avec you moi? Know somebody who is in a big position and everybody identify you with him, they don't allow you to go through the same stress others go through. Et lorsque vous connaissez l'autorité supérieure, il donne des consignes pour que vous ne suiviez pas les stress de protocole. From today, à partir d'aujourd'hui, protocols shall be broken for you. Les protocoles seront brisés pour vous. Where your legs cannot enter ordinarily, the leg of God will take you beyond it. Et là où vos pieds ne peuvent pas vous conduire, les pieds de Dieu vont vous conduire là-bas. What is grace? Qu'est-ce que la grâce? Grace is spiritual steroids. La grâce est un stéroïde spirituel. You know, athletes. Vous connaissez les those athlètes? That run or that perform one game or the other. Les athlètes, ceux qui font les compétitions sportives. Sometimes, if there is a particular world record that has not been beaten for too long a time and a man now comes to beat the record, the first thing they do is to pick the man and take him to the laboratory and check whether there are some things that he has taken that made him to beat that record. Donc lorsqu'il y a un record mondial qui n'a pas été battu depuis longtemps et que quelqu'un venait à battre ce record, la première chose qu'on fait c'est de l'amener au laboratoire pour voir s'il n'a pas pris des stimulants. Makes you to be engraced with spiritual steroids that makes you to do what ordinary human being cannot do. La grâce que vous obtenez à travers la prière vous revêt de cette puissance là. You remember the story of Ahab? Vous vous rappelez de l'histoire de the Bible said he was on a chariot. La Bible dit qu'il était sur dans said, sur un char Ahab. Elijah, who has taken time to stay with God, who has been equipped with spiritual steroids, outran the chariot of donc, Élie qui était resté longtemps avec Dieu avait reçu le stimulant pour dépasser Achab qui était dans un chariot. So when a man is engraved on the altar of prayer, he can do what ordinary men cannot do. Quand un homme reçoit la grâce sur l'autel de prière, il peut faire des choses que l'homme ordinaire ne peut pas faire. Whatever men say is impossible shall become a possibility in your own life. Tout ce que les hommes déclarent impossible deviendra possible dans votre vie. What is it about grace? Que dire de la grâce? Grace is accessing the secret place to enjoy open announcement.
C'est à céder au lieu secret pour être ouvertement annoncé. The Bible speaking concerning Moses that he went to stay with God for some time. When he was coming down, he said his eyes were bringing out fire. The Shekinah glory of God enveloped him that nobody could look into his eyes. He has to use a veil to cover his eyes. La Bible dit que Moïse était allé rester avec Dieu pendant un temps. Quand il revenait, même ses yeux propulsaient du feu. On ne pouvait pas le voir. Il avait besoin de prendre un voile pour se cacher. You are on the altar of prayer and you are in grace. No witch or wizard can look into your eyes. Quand vous êtes sur l'autel de la prière et vous recevez la grâce, aucun sorcier ne peut vous voir. When you generate power on the altar of prayer, no forces of darkness can be squeezing your neck when you are sleeping. Lorsque vous recevez cette puissance sur l'autel de la prière, aucune force de ténèbres ne peut vous pressing you and they are tormenting you, and spirit husband and spirit wife are still sleeping with you in dream, it's because your power level, your fire level is too shallow, is too small. Et s'ils continuent pas à vous opprimer dans le sommeil, les maris de nuit continuent pas à coucher avec vous, ça veut dire le niveau de la puissance n'est pas. Rise on your feet.